Et salut les amis, alors en premier, merci beaucoup car vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça c'est vraiment super sympa de votre part. Et en plus, vous me laissez des commentaires, mais vraiment géniaux, alors continuez comme ça, merci beaucoup. On continue avec le guide d'élevage, l'épisode 4, et je vous parle de tubes de fondation, d'air de chasse et de nid. Alors bougez pas, on se retrouve après ça. Voilà, vous allez bientôt recevoir votre première colonie. Et donc, vous allez vous poser la question, mais est-ce que je dois leur offrir une jolie maison dès le départ? Car que vous commandiez une jeune fondation avec quelques ouvrières ou une jean toute seule, vous la recevrez majoritairement dans un tube de fondation comme celui-ci. Donc, de l'eau, du coton qui va servir à rendre l'air un peu humide pour qu'elle puisse se déshydrater, et un bouchon en coton pas trop serré pour qu'elle puisse respirer. Alors vous me direz, oh la pauvre, elle doit être malheureuse dans son petit tube, moi je vais lui offrir une belle maison directement. Alors que vous la fabriquiez ou que vous l'achetiez, faites attention parce que c'est souvent une très mauvaise décision. En effet, à l'origine, la gine va trouver un tout petit coin qui va avoir à peine sa taille, et elle va se réfugier jusqu'aux premières ouvrières. Et c'est seulement les premières ouvrières qui commenceront à agrandir le nid. Donc si vous leur proposez trop grand au début, elles risquent de stresser d'une part, et en plus elles risquent de salir le nid, et donc vous aurez des moisissures et vous ne pourrez pas nettoyer. Et ça peut être néfaste pour la colonie. Par contre, faites attention et prévoyez le nid dès le départ quand même pour être prêt le jour où elles seront assez nombreuses pour avoir un nid. Vous allez me dire, ok mais alors comment je fais quand mon tube il est vide? Et comment je fais pour les nourrir dans leur tube? Pour nourrir votre fondation en tube, je vous ai parlé d'une petite astuce dans la vidéo pour le concours, c'est la petite capsule d'encre de tatouage. Pour l'utiliser, je vous l'ai montré. Alors vous prenez donc votre jeune fondation comme ça, vous préparez à l'avance votre capsule avec la nourriture dedans, donc soit un bout de coton avec de l'eau sucrée, et vous essayez de faire le plus rapidement, mettre la capsule, en général en poussant les fourmis vont reculer, et vous remettez votre petit bouchon, et voilà, elles vont pouvoir manger pour quelques jours. Paniquez pas, vous n'avez pas la capsule d'encre de tatouage, mais vous pouvez toujours vous procurer, va y avoir. Et comme ça, vous coupez un petit tronçon et vous faites comme la capsule, vous mettez du coton dedans avec de liquide sucré par exemple, et vous mettez le petit tronçon à la place de la capsule comme précédemment, et voilà, vous pourrez nourrir aussi votre colonie comme ça en tube. Mais bon, ça y est, ça commence à être le bordel, elle commence à être de plus en plus nombreuse, et là vous vous dites, ça y est, j'arrive plus à mettre la capsule, comment je fais? C'est qu'il est l'heure de raccorder votre tube à une aire de chasse comme je vous ai montré vite fait tout à l'heure. Donc voici un exemple d'aire de chasse avec un couvercle et un grillage car je suis toujours prévoyant, un trou pour raccorder le tube et un deuxième trou pour raccorder un deuxième tube. L'idée, on prend notre nouvelle aire de chasse comme celui-ci, on aligne notre petit tube, j'enlève le coton, paf, et j'emboîte le tube directement dedans. Bon là, il n'est pas tout à fait à la hauteur le support, mais voilà, vous faites un petit truc pour que le tube soit posé et ça sera parfait. N'oubliez pas l'anti-évasion surtout, et vous pouvez maintenant nourrir vos fondations plus facilement. Alors vous pouvez ajouter un fond en plate qui absorbera les liquides, ça sera encore mieux. C'est sympa, maintenant on sait les nourrir en tube. Mais quand il est vide le tube, comment je fais maintenant? C'est souvent à ce moment qu'on choisit de les mettre dans un nid, et c'est là qu'on fait l'erreur. Et donc, comme je vous ai dit précédemment, j'ai prévu un deuxième trou au départ sur cette aire de chasse, ce qui va me permettre de raccorder un nouveau tube. Comme ça, pas de problème pour le déménagement du tube vide. Notre tube est vide, est sale, et il va falloir les déménager. On a un deuxième trou, il est temps de prendre notre nouveau tube de fondation. Voici notre nouveau tube de fondation, il n'y a plus qu'à le raccorder à notre aire de chasse. Bon, j'ai préparé hors champ, mais j'ai rajouté un deuxième tuyau avec un bouchon. J'ai plus qu'à enlever ce petit bouchon et tout de suite, voilà, même en le préparant, je me galère. On met le nouveau tube. Du coup, très rapidement, vu que l'ancien est vide, elles vont aller dans le nouveau, tout simplement. Voilà, promis, je vous ferai un petit tuto sur les tubes de fondation très prochainement, mais je finirai d'abord ce guide. Voilà, votre tuyau est plein, il est temps de le regarder enfin à un nid. Faites attention, ne prenez pas un trop grand nid pour le départ. Prenez-leur un tout petit nid qui vous coûtera pas trop cher, et comme ça vous pourrez soit lui ajouter une extension, ou alors vous les déménagerez dans un nid plus grand dès qu'il sera temps. Pour les types de nids, j'ai fait une petite vidéo récapitulative de tous les nids que j'ai pu faire, comme ça vous donnera une idée des nids que vous pourriez choisir pour votre colonie.
Hé hé, magie du montage, il s'est écoulé plus de 12 heures, j'ai bien dormi, j'ai bien mangé, et je reprends où j'en étais. Ah, j'oubliais, si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Donc j'ai ressorti pour vous mon premier nid pour mes Apha Hymenogaster Senilis qui sont dans ce terrarium, que je le mets devant moi pour mieux vous le montrer, on échange, comme ceci. Je vous avouerai que c'est mon petit coup de cœur, c'est le premier nid que j'ai vraiment réussi, et que je trouve en plus assez agréable esthétiquement. Donc c'est un nid en béton cellulaire, non blindé car les Apha Hymenogaster Senilis ne sont pas foreuses. Donc j'avais prévu aussi un tube de liaison pour les extensions futures. Et ici, on a aussi le tuyau de remplissage pour la zone d'humidification. Donc voilà, on a le réservoir en dessous. Alors, pour ce qui est des nids en boutique, je vous avouerai que j'ai peu de retours puisque j'ai toujours fabriqué mes nids moi-même. Je vais pas vous parler de quelque chose que je ne connais pas assez. Pour cela, si vous voulez vous acheter un nid, moi je vous conseille de vous renseigner sur les forums, sur les groupes Facebook, pour savoir si le vendeur propose des nids de qualité ou pas. Merci les amis d'avoir passé ce moment avec moi. Ça y est, c'est fini pour aujourd'hui. Alors vous pouvez me retrouver sur Facebook et Twitter aussi. Si vous avez envie de vous abonner, c'est par ici. Pour les vidéos du guide d'élevage, c'est par là. Je vous laisse avec les bafouillages du tournage. Et ciao ciao les amis. Le devoir m'appelle, alors on se pioche un de ces quatre. Voilà. 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 Je mou...